grands interprètes du répertoire français et italien. Il chante régulièrement sur les plus grandes scènes de l'opéra comme le Metropolitan Opera, la Scala de Milan, Covent Garden de Londres. Il a travaillé sous la direction de chefs émérites comme Herbert von Karajan, James Levine et Zubin Mehta. Gino Quirico a tenu le rôle principal dans la présentation de trois grandes premières mondiales, L'Héritière de Damas, Monseigneur de Landowski en France et The Ghost of Versailles de Corigliano au Metropolitan Opera. Il a aussi participé au tournage de deux films, une douzaine de vidéos et a enregistré une vingtaine d'opéras. Il y a quelques jours à peine, Gino Quirico participait au gala des Olympiques à Atlanta. En 1988, M. Quirico était choisi artiste de l'année par le Conseil canadien de la musique. Il a été nommé ambassadeur honorifique du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en 1990. Il est également décoré de l'Ordre du Canada. Gino Quirico va maintenant se joindre à notre lauréate pour nous interpréter « Dun pollo son, tu non m'inganni », un extrait encore du Barbier de Séville de Rossini. C'est Rosine qui est maintenant toute seule avec Figaro, qui lui annonce que son cousin Lindoro est follement épris d'elle. En réalité, Lindoro n'est nul autre que le comte Almaviva que Figaro tente d'aider dans sa quête amoureuse. Rosine, très heureuse d'être aimée ainsi, confie à Figaro un doux billet pour se supposer Lindoro. Dans le temps qui suit, elle demande à Figaro « M'aime-t-il vraiment? Tu ne me trompes pas. » Voici, mesdames et messieurs, Gino Quirico et Daniel Leblanc. Par fortuna, ne dubito assai, in confidenza. Un gran difetto a tosso. Un gran difetto? A grande! È innamorato morto. Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo. Erbacco. Non ci credete? Oh, sì. E la sua bella rete abita lontano. Oh, no? Cioè, è qui. Due passi. Ma è bella? Oh, bella sai, ecco il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia purpurina, occhio che balla, mano che innamora. Il nome? Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome! Si chiama? Poverina! Si chiama? L.O. Ro! S.I. Sì! Rosi! N.A. No! Rosina! Dunque io sono, tu non mi inganni, dunque io sono, io già muoio di impazienza, ma che tardo cosa fa?
Parisi, volei il vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di biglietto, li mandate, qui verrà, li mandate, e qui verrà. Presto, presto, qua il biglietto. Un biglietto. Eccolo qua. Già, era scritto. Che bestia, che bestia, il maestro bacio a lei. Fortunati a vedere. Des 25 dernières années. Malgré une carrière internationale impressionnante, Joseph Rouleau est demeuré profondément enraciné au Québec, où il travaille sans relâche à l'épanouissement de l'art lyrique. Il a été reçu officier de l'Ordre du Canada en 1977. En 1990, il recevait le prix du Québec, le prix Denis Pelletier. Joseph Rouleau est le fondateur du Mouvement pour l'art lyrique du Québec, qui donnera naissance à l'Opéra de Montréal. Depuis 1980, il est professeur à l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Rouleau assure aussi la présidence des Jeunesses musicales du Canada depuis maintenant 7 ans. Joseph Rouleau va chanter pour nous La Calugna, l'air de Don Basilio, un autre extrait du Barbier de Séville de Rossini. Le docteur Bartolo soupçonne l'arrivée en ville du comte Almaviva, qu'il croit amoureux de Rosine, celle qu'il veut lui-même épouser. Il en fait part à Don Basilio. Celui-ci, maître de musique et intrigant véreux,
lui conseille de se défaire de son rival par la calomnie. Cet air remarquable nous montre comment la calomnie peut, en partant de rien, dégénérer en un épouvantable scandale. Mesdames et messieurs, Monsieur Joseph Rouleau. Avant de commencer mon air, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Le Canada a gagné la médaille d'or dans le 400 mètres. Calpestato sotto il